Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est indispensable, incontournable, vous en avez besoin. Et c'est vraiment juste pour nous. C'est dans la langue de Molière que ça se passe. Et beaucoup de choses sont expliquées simplement pour qu'on comprenne le monde dans lequel on vit sans l'endoctrinement. Parce que l'endoctrinement fait en sorte qu'on ne comprend pas le monde dans lequel on vit et on ne comprend pas nos vies. Et nos vies sont perdues. Gracieuseté de la gauche médiocre et socialo-communiste qui nous endoctrine. Chers amis, on est le 15 mai 2019, 23h08, la journée se termine bientôt. 52 minutes, 59 secondes avant la fin de cette journée historique de ce 15 mai. Unique, il n'y en aura pas d'autres, il n'y en a pas eu d'autres. C'est le seul et j'espère que vous en avez profité. Chers amis, ce week-end, il y a un autre événement que vous... Si vous êtes amateur d'astronomie, vous ne devriez pas manquer. C'est apparemment la dernière lune bleue des deux prochaines années. La dernière pleine lune bleue qui va se lever avant les deux prochaines années. La fameuse Flower Moon. La dernière lune bleue de l'année offrira aux astronomes un spectacle à couper le souffle, ont annoncé des astronomes, mais la nouvelle est aussi surprenante. C'est la dernière lune bleue à apparaître pour les deux prochaines années. L'intensité de la lune bleue sera ce week-end, à partir du samedi 18 au dimanche 19, mais unique ici au Royaume-Uni, la Blue Moon, la fameuse lune bleue, apparaîtra en fin de soirée du samedi vers 22h21. On parle de l'Angleterre ici, l'arrivée, parce que c'est le seul lien que j'ai trouvé qui en parlait un peu. L'arrivée de la lune coïncidera avec celle de la pleine lune de mai, appelée la lune des fleurs. Malheureusement, après le passage de la lune bleue cette semaine, ben, il n'y en aura plus de ces chances de voir cette fameuse lune bleue avant 2 ans. Selon les astronomes Deborah Bird et Bruce McClure de EarthSky.org, cette lune bleue sera la troisième pleine lune de la saison en astronomie populaire. Il existe deux types d'astronomie, d'astronomes ou de lune bleue, deux types d'explications. Le premier type décrit une seconde pleine lune qui se lèvera en l'espace d'un mois, et le second type décrit le troisième des quatre pleines lunes à apparaître dans la même saison. Donc, la lune bleue, la Blue Moon. McClure et Mme Bird ont expliqué une année à 12 mois et des mois ou mois ont des longueurs plus ou moins basées sur une seule orbite de la Lune autour de la Terre. Une drôle de traduction, là, je m'excuse. Ce que nous appelons une saison, hiver, printemps, été, automne, dure généralement 3 mois et comporte généralement 3 pleines lunes. Si une saison a 4 pleines lunes, alors la 3e pleine lune peut s'appeler une lune bleue, selon l'almanach du fermier du vieux Maine. Il y avait la lune bleue selon cette définition le 21 novembre 2010, une autre le 20 et le 21 août 2013 et une autre le 21 mai 2016. Après samedi, la prochaine saison de cette lune bleue à l'horizon sera le 22 août 2021. La 2e pleine lune d'un mois est la définition la plus courante d'une lune bleue utilisée dans la culture pop. Selon cette définition, les dernières lunes bleues étant le 31 mars 2018 et le 31 janvier 2018. Ce qui est encore plus rare, c'est l'apparition d'une lune bleue mensuelle et d'une lune bleue saisonnière au cours de la même année civile. Donc, c'est ce qui est particulier cette année. C'est une très rare lune bleue. La lune bleue 2019, la pleine lune, est la 3e des 4 à se lever cette saison. La prochaine fois que ça se produira, c'est en 2048, lorsqu'un mois de lune bleue mensuelle en janvier est suivi d'une lune bleue saisonnière au mois d'août. Cette combinaison rare se répétera en 2067 avec une lune bleue en mars et en novembre. EarthSky a déclaré, dans ce cas, il y a 13 pleines lunes entre les solstices de décembre successifs, mais seulement 12 pleines lunes au cours d'une année civile et pas de pleine lune de février 2067. Malheureusement, dans aucun des cas, la lune ne deviendra bleue. Donc, c'est un événement très rare qui va se produire ce week-end. Les amateurs, ceux qui sont équipés, ben, profitez-en. Est-ce que ça nous annonce la fin du monde? Je ne sais pas, c'est à vous de tirer vos propres conclusions.